Bonjour YouTube, je vais t'expliquer les nouvelles règles du challenge pour que tu comprennes bien ce que tu es en train de regarder. Voilà. Hein. Donc on est en Nuzlocke classique. Voilà, on a décidé de partir en Nuzlocke avec le chat. Donc un Nuzlocke assez standard sur le jeu de base qui est XY. Et on n'est pas en hardcore Nuzlocke, donc il n'y a pas de level cap. Donc en vrai, ça va, c'est pas très compliqué à ce niveau-là. Mais évidemment, ce qui rend ce défi compliqué, c'est que je n'ai pas le droit d'aller me soigner au centre Pokémon. Je n'ai pas le droit d'acheter des objets dans le shop. Donc en gros, je dois me démerder avec les objets que je trouve par terre et qu'on me donne. Et prier pour que certains PNJ me soignent. J'ai pas le droit d'aller voir des PNJ moi-même pour me soigner. Et j'ai pas le droit d'utiliser le PC pour me soigner. Je peux déposer des Pokémon et reprendre des Pokémon de mon PC, mais par contre, il faut qu'ils soient de base full vie et full PP. Voilà, si ça engendre du heal, quel qu'il soit, je ne peux pas le faire. Pas le droit d'utiliser les CT. Voilà, les CT sont interdites, hein. J'hésitais au début à le faire ou pas, mais pour l'instant, j'ai établi que les CT étaient interdites à part coupe, éclatroc, surf, vol, tout ça, toutes les CS, entre guillemets. Et voilà, tout simplement. Et pour expliquer un peu les subtilités des captures, par exemple, si j'ai 6 Pokémon dans mon équipe et que je décide de capturer un Pokémon, et ben si je capture ce Pokémon full vie, donc directement dès la première ball, parce qu'il n'aura pas utilisé de PP et pas utilisé de vie, bah là c'est bon, il pourra arriver dans le PC comme étant de base full vie. Mais par contre, si c'est pas le cas, et ben le Pokémon, je ne pourrai pas l'attraper. Donc il faut qu'au préalable, je dépose des Pokémon dans mon PC pour aller capturer mon sixième Poké pour pas que ça engendre un soin. Voilà. Dès l'instant où ça va engendrer du heal, techniquement, bah je vais pas pouvoir utiliser le Pokémon. Voilà, vous avez toutes les règles en tête. De toute façon, je vais vous les écrire dans les enfin, dans la description. Et bonne vidéo. Et en gros, on va partir sur un Nuzlocke. On va partir sur un Nuzlocke. On va pas partir sur un hardcore Nuzlocke. Donc en gros, la seule différence, c'est qu'il n'y aura pas ce principe de level cap. Par contre, il y aura tout le reste. C'est-à-dire qu'en gros, un Pokémon par zone, un Pokémon KO est considéré comme mort. Donc un Nuzlocke, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais par contre, du coup, il y a une règle en plus, c'est que je n'ai pas le droit d'aller au centre Pokémon ou d'aller dans des shops ou de me soigner avec un PC ou de me soigner avec une CT. En fait, toute forme de heal est interdite, les objets en combat c'est interdit, voilà, donc même ça va devenir interdit. Par contre, voilà, on n'est pas en hardcore zone, donc on a le level cap qu'on peut dépasser en soi, donc ça c'est plutôt tranquille, mais en même temps on va devoir faire des combats, on va devoir vraiment faire des combats, on va devoir gérer cette gestion des PP. Par contre, les CT sont autorisés sauf les CT de heal. Voilà, Marisson 100%. Marisson? Est-ce que Marisson apprend Vampigraine? Ah! Après les gars, je suis assez d'accord. Hein. Il a Vampigraine et Pico Défense. Putain, c'est vrai qu'il a des arguments. Hein. Ah, il a des arguments ce bâtard, hein. C'est vrai. Hein. Niveau 18, quand il évolue, il a point d'art 80 de puissance. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'il est solide quand même. On en pense quoi? En fait, le problème de Grenousse, c'est que ça reste assez fragile. Il reste assez fragile. Je pense que Marisson est... Mais vous savez quoi? On va tenter avec Marisson. Allez, non mais allez, c'est parti. Je pars avec Marisson. En vrai, un singe élémentaire en zone, c'est pas si dégueu. C'est pas dégueu, mais j'attends. Parce que pour l'instant, mes Pokémon sont faibles. J'attends, tu vois. Après, là, si on le trouve maintenant. Bon, bah voilà. Allez, c'est parti. Pokémon de zone. Oh, c'est pas si mal. Je considère pas les antidotes comme du heal. Si, mais en dehors des combats, quoi. Seulement. Alors, je vais tenter de l'attraper sans l'affaiblir. Oui, mais en fait, je n'ai pas le droit de me soigner sur un truc qui est choisi. En gros, la meuf, si je lui parle, oui, elle me soigne. Mais ça, c'est interdit. Les soins, entre guillemets, autorisés par les PNJ, c'est ceux que tu contrôles pas. C'est un Iron Man, un peu, le délire. Iron Man, t'as pas le droit de te soigner, c'est un Nuzlocke, t'as pas le droit de dix, tes Pokémon en dehors des combats de dresseurs, en gros. Bah là, c'est pas vraiment ça, parce que techniquement, je peux expecter les Pokémon sauvages. Soit y a Dan 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 qui sort. Ah, Dan... T'as, j'ai même pas vu celui la semaine dernière, encore. Faut faire un documentaire sur Volt, j'adore cette personne. Ça va pas. Mais ça va pas. Un documentaire sur moi. Vous allez raconter quoi? Volt. Dit Mathieu. Né à Clermont-Ferrand. Dans son enfance, a joué à Pokémon.
n'a pas fait grand chose de plus. Voilà. Ah, c'est bien. Inspecteur Magret au niveau 12. Putain, quel roi. Quel boss. Quel monstre. Il se nourrit de risotto et de McDo. Oh, vous abusez. Des fois, je mange des pâtes quand même. Il gagne sa vie grâce à ça et c'est pas mal. C'est vrai, je gagne ma vie en jouant à Pokémon. C'est fou de se dire ça. Je gagne ma vie en jouant à Pokémon. Si le moi du passé savait ça, je pense qu'il pèterait un plomb. Bon, allez, on arrive dans le moment où va commencer à falloir un peu faire attention. Attends, quoi ? Tu comptes finir à quelle heure ma... Attends, quoi ? Tu comptes finir à quelle heure ma femme m'a demandé de faire les courses, mais voilà, j'ai la flemme de rater le live. Attends, donc là, tu veux aller à l'encontre de ta femme au risque de créer une discorde dans le ménage parce que t'auras pas fait les courses juste pour regarder mon live. Alors, je suis très flatté, mais tu es un homme qui aime le risque. Tu es un homme courageux, téméraire, insouciant peut-être, inconscient même, dirais-je. Chérie, on mange pas, il y avait Volt. Bien. Après, est-ce que je soigne le canard Tichot? Je pense qu'avec ses PV, il peut gagner. En... Est-ce qu'il a fini DQ11? Non, DQ11, c'est dimanche, on continue dimanche. Mais vous savez, il fallait que je m'entraîne et tout, il fallait que je pexe un peu en off parce que bah, je m'étais fait fumer et tout. Bon, sachez que j'ai pas pex parce que j'ai pas eu le temps, mais... On fera ça dimanche. Salamèche, il apprend Rousse et Dracorage. Oui, d'accord, au niveau 90 000, là... Et Dracorage, encore une fois, je pense que c'est vraiment pas si intéressant que ça à partir du deuxième badge. Hein. Depuis le passage en question, bah non, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Carapuce ! Non, allez, je prends Carapuce. Allez, c'est bon. Oh, j'ai un plan. Oh ! Ok. Est-ce que si je dépose au PC tous mes Pokémon sauf un, parce que pour l'instant on peut, ils sont full soignés, je garde genre Marisson, j'avance dans le jeu, j'affronte le rival avec Marisson, et du coup faut affronter le rival. Il a quoi le rival déjà? Je crois qu'il a un Pokémon de merde, non? Ah, c'est Crapince en plus! Ah, mais parfait! Parfait, les gars! Donc en gros, je dépose Magret parce qu'il est... Ça on peut, il est full soigné, lui c'est pareil, et lui c'est pareil. On garde que Marisson. On esquive le Komadou pour pas se prendre de paralysie de merde. Et on arrive à la prochaine ville, on récupère les Pokémon. C'est du génie en fait. C'est juste du génie. T'as le droit au PC. J'ai uniquement le droit au PC si ça n'implique pas de soigner le Pokémon. Donc en gros, j'ai le droit d'utiliser le PC uniquement si, lorsque je dépose et que je reprends le Pokémon, il ne se passe rien. Donc je ne peux uniquement déposer des Pokémon qui sont full soignés en gros. Je pense que deux Fouillian le tue, hein, de toute façon. T'as même pas pris le Goat Grenousse. Bah oui, mais Grenousse est trop fragile. Oh, le 1v1. Oh, le 1v1 contre Tierno, là. Les magnifiques hautes herbes de France avec leurs déchets toxiques. Ah, oh bah, je suis plus rapide que lui de base. Ok. Ah, alors par contre... Tous les joueurs Pokémon savent ce qui va se passer. Tous les joueurs Pokémon savent ce qui va se passer. Tout le monde sait ce qui va se passer. Je viens de mettre pile poil 50% de vie à un Pokémon. Tous les joueurs Pokémon qui ont joué à Pokémon savent ce qui va se passer et savent que c'est impossible que Fouillian fasse le kill. Il va rester un PV au Pokémon et je vais me prendre un force point coup critique. Voilà ce qui va se passer. Hyper rapide ! Hein ? Ah, c'est une speed tie ? D'accord, ok. Bon, bah, c'est totalement pas ce qui s'est passé, mais ok, tant mieux. C'était une speed taille. Oh fuck! Ah! Oh le cauchemar! Oh le cauchemar!
Oh, le cauchemar! Ah! Oh, let's go. Oh! Bon, tout ça pour ça, j'avoue que c'est... J'ai vraiment mis le repousse pour deux herbes. Mais bon, on n'est jamais trop prudent. On n'est jamais trop prudent. Oh merde, c'est une zone, là. Putain, merde. Oui, c'est vrai que XY, c'est le premier jeu en sortie mondiale, ça, c'est vrai, ça. Après, c'est pas la zone de Ronflex, donc ça va, mais... Ah ouais, mais c'est la zone de Monorpal. Oh, merde. Ah, j'ai peur qu'ils m'empoisonnent, les gars. Vraiment, c'est... Les Pokémon Poison, ils sont effrayants. Les Pokémon Poison, ils sont effrayants, les mecs. Hein. Ok, bon. Mac Turbo 3000. Lui, je vais l'appeler. Attends, mais c'est aussi un Mac Turbo, lui. Oh. Attends. Ok, je vais l'appeler. Nitro Speed 99. Mac Turbo 3000 et Nitro Speed 80. Ça c'est des blazes, ça, mon pote. Hein. Ça, c'est des surnoms qui surnomment. Hein. Oui, j'ai la Pokéflûte. Allez, cassez-vous, laissez-moi faire. T'es mal à la taille de la flûte, frère. Elle est aussi grande que lui. Des beaux jeux. Ouais, en vrai, c'est ça. Genre, juste des beaux jeux. Ce serait bien, déjà. Ronflex! Alors. Ah bah déjà profitons. Non mais déjà profitons. Profitons de la vampigraine, mesdames et messieurs. Après j'ai un antipara encore, j'ai un antipara donc ça devrait aller. Ok, là je le hyper. S'il rentre pas là-dedans, il rentrera jamais de toute façon. Là s'il rentre pas là-dedans, il rentrera jamais. Allez, on y croit. Ah, il est pas mort en plus. Oh, on a une super. En vrai, on va tenter la super. En vrai, le Pokémon est tellement fort qu'on peut pas ne pas le prendre. Oui! Oh là 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 là! Oh, let's go! Oh, let's go! Oh, let's go! On a Ronflex! Oh, sa mère! Oh, sa mère, on a Ronflex. Oh, bordel. C'était vraiment le dernier tour, quoi. Après, il a un PV. Oui, pour l'instant... C'est vrai que pour l'instant, il peut pas trop jouer. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, il a pas trop les compétences pour jouer. Et soigner Ronflex, c'est vraiment, vraiment un enfer. Oui, 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 mais c'est insupportable. Tout le monde te parle dans ce jeu, en fait. On te laisse pas vivre. Hein. On te laisse pas vivre. Attends, bah elle est où la meuf avec son coupe-note là? C'était elle. Ok, j'esquive comme le vent. Je suis le ninja de l'ombre. Je suis mystérieux et à la fois intrépide. Attends, c'est ma zone ça? Attendez, c'est ma zone ça ou pas? Ah ouais? Non, oh, incroyable! Absolument Pokémon de zone! Oui. Oh, c'est solide! Oh, c'est solide!
Ça va me poursuivre toute ma vie. Ah bon. Vas-y, j'ai pas tant de balles que ça, les gars. Fouah, c'est... Ça reste quand même léger, hein. Oh, je l'ai eu. Mais du coup, tu peux pas avoir l'off 10 pour l'échange, c'est la même zone en bas. Ah ouais? C'est la même... C'est la même zone, what the fuck? Darnué. Bon, en vrai, roulade, c'est vraiment pas ouf. Ok. Bon, on avance bien. Absol, c'est pas mal, hein. Absol, c'est vraiment pas mal. Tu peux cacher l'off 10 dans la ville de la reine. Oui. Ouais, dans les EHPAD, je fais fureur. Eh, c'est pas grave, hein. Donner l'âge d'une asiatique, je vous jure, c'est le jeu à jamais faire. Ah, c'est vrai que ça doit être complexe quand même. J'avoue que quand j'étais au Japon, les gars, mais c'était impossible. Quand j'étais au Japon, c'était impossible de donner un âge à une meuf. Vraiment, j'étais dans l'incapacité. Vraiment, c'était... Eh ben, écoute, elle a entre... ...15 et 40 ans. C'est une bonne période. Je retournerai pas à la période avril-mai, je pense que... Les Japonais dans leur tête, moi, j'aime pas les étrangers. Bah oui, les Japonais ont du mal avec les étrangers, mais c'est pas une question de... Je sais pas si c'est de la xénophobie ou des trucs comme ça, ou... C'est juste que, bah... Ils sont comme ça, et... Plein de pays sont comme ça, je sais pas... Donc là, on peut tenter d'aller attraper le Aolucha, là. Et il est en haut, du coup. Le fameux professeur catastrophe, c'est vrai. Belle ref. Bon, c'est quoi l'objet, là? Plaque esprit. Vas-y, je vais affronter la madame. Quoi? Mais parle-moi! The fuck? J'ai eu prochaine ville, double Lucario, niveau 25. Ouais, tranquille, on a... Bon, Flora vol niveau 19. Inspecteur Magri, on a besoin de toi là. Inspecteur Magri, on a besoin de toi, mon pote. C'est ton moment. Ah, ça c'est chiant ça. Attends, mais faut affronter deux Lucario. Mais attends, faut pas en affronter qu'un seul. Non, mais non, on affronte deux Lucario, mais on en affronte avec. Enfin, nous on en a un, non? Genre, elle nous prête un Lucario, je crois. Je crois que c'est ça le délire, non? Il y a moyen de se réveiller ou... Non, j'ai inventé. Non, ça c'est plus tard. Ah non, mais oui, juste à Cromlac là. Juste après la ville là. Ah putain, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, c'est vrai ça. Ah, j'avais oublié ça. Ah, j'avais oublié ce détail. Ah ouais. Inspecteur Magré. Après, qu'est-ce qui peut nous arriver? Oh, il fait pas de dégâts. Je veux dire, qu'est-ce qui peut nous arriver? On a Inspecteur Magré. Oula, attends, mais Inspecteur Magré fait plus de dégâts là. What? Non.
Oh non! Inspecteur Magret est mort. Les gars, ça commence à être la merde. Oh là 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 là, la boucle. La boucle de ce moment où il va falloir XP et qu'on affronte des dresseurs un peu trop forts là. Azumarill. Restez de toute façon. Ah, mais il m'a fait bâillement. Vas-y, j'envoie Somnolé. Somnolé qui tank, c'est bon. C'est bon, Bogiris le boss. Bogiris le monstre, les gars. Non, en vrai que Inspecteur Magret meurt, bon, c'est chiant, mais c'est pas non plus une catastrophe. C'est pas non plus trop relou. Oui, il faut que je mette le défini, mais là, je fais en sorte de jouer comme si j'étais en défini, de toute façon. Ok, donc là, on va profiter de la Vampigraine. On va profiter de Vampigraine, là. On va soigner Ours for Speed. On va profiter de Vampigraine. Oula. Oula. Oui. Ok, c'est bon, on va pouvoir... Bon, malheureusement, on va pas trop pouvoir profiter de la Vampigraine, mais... C'est vrai que je pourrais avoir Stylix et Aziz dans l'équipe, ça c'est vrai que c'est pas mal. Oh bordel. Ok, bon, on va aller chercher le Stylix. Putain, le combat était pas simple. Mais d'abord, faut pêcher. Donc là, faut que je pêche là. Alors, d'abord, il faut que je dépose l'autre con, là. Putain, Inspecteur Magret. Inspecteur Magret, mec, putain. T'es vraiment le GOAT. Bon, t'allais pas servir, de toute façon, pour la suite de l'aventure, mais bon. Alors, déposer Magret. Putain, notre premier mort. Par contre, il faut choper l'off disc, attendez. Après, je crois qu'il y a que ça. Il y a que l'off disc ici? Bon, je pense. Can enregistré. Pourquoi il faut l'off disc? C'est parce que c'est le Pokémon qui veut pour l'échange. Un love disc contre un Stylix. Let's go! Ok, Pokéball. Oui, je me suis autorisé d'aller en centre Pokémon, mais juste j'ai pas le droit de les utiliser. J'avoue, l'échange est fou quand même. Love 10 contre Stylix. C'est quand même un échange de baisers. Je suis curieux de savoir comment il s'appelle, Stylix. Ah, je suis très curieux de savoir comment il s'appelle. Oh, je suis sûr que c'est lui. Non, même pas. Ah ouais, c'est lui. Tiens, ma gueule. Prends le love disc. Comment va s'appeler le Stylix? Non mais wesh, c'est trop grave l'échange. L'échange, il est trop grave. Mégascolide. Il y avait les Geikers. Ah merde. Bon, tant pis.
Le problème, c'est que la dernière fois, on a voulu s'entraîner, on a fait de la merde, on avait des Pokémon qui se sont fait baiser pour rien. Je pense qu'on va affronter les dresseurs. Juste pour gagner un peu d'expérience. Force est pas type proche encore sur cette génération. Alors elle n'a jamais été type proche, c'est que dans les Akrom qu'elle est type proche. Méga Scolide. Donc allègement, c'est quoi ça? Non, bah non, c'est pas combo avec Gyroball en fait. Gyroball. Ouais. Pas grand chose quoi. Ça monte juste. Ah, ça monte la vitesse! Oh oui, non, c'est pas ouf. C'est pas genre. Non, ça te réduit pas juste ton poids, un truc comme ça? Putain, j'avoue, Gyroball, c'est que 5 PP! Oh! Mais quelle horreur! Oh, le fail que je suis en train de faire là! Mais oui! Mais oui, c'est que 5 PP, Gyroball! Oh lo 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 lo! Ah oui, putain! Ah, je peux pas switcher pour l'instant. Faut vraiment que je mette en défini là, j'arrête pas d'oublier. Ah ouais, j'avais plus le bail dans la tête là. En vrai, 3 c'est bon, toi HKO. Ouais, mais je pense que oui, je joue HKO à Magara tranquille. Ouais. Méga Scolide. Ok. Bah, du coup, faut pas que je le mette en premier par contre. Alors, attendez, avant, on va se mettre en défini. Du coup. Je vais jouer avec lui. C'est la deuxième arène. On affronte tous les dresseurs et après je pense qu'on peut tenter de battre le champion et on est pas mal. Hein. La run se passe quand même bien mieux que tout la dernière fois. Hein. On a 6 Pokémon, ils sont full life. Pas tous, mais genre regarde, Reg Karabaf qui est full life à cette arène, c'est déjà une bénédiction. Somnolent en plus qui est 24, c'est nickel. Quoi? Ah mais c'est que ça passe pas. Ah mais d'accord, mais c'est pas pareil qu'il faut aller en fait. Là, il reste plus qu'une meuf à affronter, normalement on est bon. Voilà. Ah oui mais elle nous avait fait trop chier parce qu'elle avait Celeroc et Solaroc je crois. Ah oui. Oui c'est vrai, je me rappelle. Je me rappelle bien. La morsure en fait. Wesh. Ah oui, d'accord. L'inspecteur me manque déjà. Oula, mais attendez, mais c'est que c'est chaud de... de faire Gyroball avec ça. En fait, lui, c'est lui qui va battre Amagara, je pense.
Ziz, s'il se prend un jet de pierre, c'est relou. Catastrophe, c'est relou. Somnolé, bah y'a que somnolé en fait. Que somnolé, hein. Non, j'ai pas mieux qu'écume. En fait, écume, c'est comme pistolet à eau et j'ai pas mieux, sauf que écume, ça peut baisser la vitesse. Ou ça, ça peut être très dangereux. Wouah. J'avoue, j'aurais peut-être pas dû affronter Solarok et Celerog, c'est vraiment des Pokémon qui sont très très durs. Oh, je suis plus rapide. Flinch. Non. Oh, j'ai esquivé. Wouhou. Let's go. Comme quoi, Bogiris. Bogiris, la vitesse de Bogiris, mesdames et messieurs, exceptionnelle. Un avion de chasse, le man, hein, quand même. Hein. On aurait dû l'appeler Bogiris 4000 aussi, lui. C'est sûr, c'était un Pokémon turbo. Bon, c'est les rocs. Bon, malheureusement, lui, c'est un peu le même bordel. C'est que c'est chiant à tuer. Est-ce que je suis plus rapide? Oh, bordel. Oh, attention. Oh, attention, le flinch, c'est maintenant. Ça tue pas, ça tue pas, ça tue pas. Ouah. C'était tendu. Ah, catastrophe qui apprend morsure. Ça, c'est parfait. Bon. Oh, ça, c'est très fort également. Vapsi, c'est dégâts du niveau du lanceur. Non, Vapsi, c'est aléatoire. Ça peut varier entre 10 et 120 de puissance, je crois. Non, mais ça, c'est pas en fonction du niveau, ça. Bon. On peut affronter le champion. Et dépasser notre PB. On a 5 super potions. Mais on a que ça. On a que ça. On a des jus de baie, des chococœurs. Moi, je pense que Ptera, Absol et Steelix, en vrai, ça joue... Enfin, c'est ok, en vrai. C'est en termes de vie. En termes de vie, je pense que c'est ok pour les battre. Parce que Amagara, il se fait fumer par Girobol. Et petit Ranidur, je pense qu'il peut même se faire fumer par Girobol également. Hein. J'ai quand même envie de mettre genre une super potion au cas où, genre sur Bogiris. Au cas où. Pour la Vampigraine. C'est tout. Et je pense que Steelix. Je pense que Steelix casse la reine. Ce challenge sur Rosa est tellement simple. Pourquoi? Ah, il y a encore un dresseur. Oh, non, flemme. Oh non, lui, flemme. Oh, ta gueule. Sérieux, je me suis fait cramer. 3 poké. Rhinocorne. Oh, ouais, oh, bordel de merde. Bon, bah, j'ai bien fait de le monter en vie, lui. Aïe 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 aïe, il fait chier là. Putain. Juste avant là, il y a une dizaine de Bémépo. Ah ouais. Bah après c'est pas tant les PP le problème au début en vrai. C'est plus le fait que t'enchaînes sans pouvoir soigner quoi, mais bon. Oh, Baillement, c'est fort. Et Ronflex, c'est vraiment un bon poké pour le coup. Très très bon poké, Ronflex, pour le coup, là. Tarinor. Ouah, mais c'est chiant, ça. Ça, on va Vampigraine, je pense. Bon, j'augmente un peu la vitesse, histoire de finir le match un peu... Non. Mais arrêtez de paralyser ce Bogiris. Arrêtez de le paralyser, il ne vous a rien fait, putain. Ah, mais c'est insupportable. Oh,
Oh, la paralysie de Bogiris, vraiment, c'est le Pokémon, il a été paralysé 3 fois depuis le début de l'aventure, là. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est qui le dernier? Onyx. Bah, ça, c'est pareil, c'est fou, Eliane, et ça dégage. Putain. Oh, je peux switcher. Oh non. Non, 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 non. Bon, les gars, là, si je suis paralysé, je suis baisé. Si je suis paralysé, je perds Bogiris. Si je suis paralysé, je perds Bogiris, putain. Ok. Bon, ok. Bah, on va respecter le plan qu'on avait. Juste, on va changer un petit truc. C'est... Oh putain, mais c'est tellement peu le super bonbon que j'ai, les super potions que j'ai là. Oh, j'ai si peu de super potions. On va rester comme ça. Je pense que je ne peux pas me permettre de cramer des super potions comme ça là. En vrai, si, mais ça serait sur Ours for Speed, à la limite. Genre, si je mets une potion, c'est sur lui, quoi. Ou sur Carabaf. Oh, je sais pas. Ah, putain. Moi, je pense que je gagne comme ça, en fait. Moi, je pense que je gagne comme ça. Parce qu'en gros, Steelix, il bat Amagara. Et l'autre, en fait, je pense que Steelix gagne les deux pokés, en fait. Hein. Franchement, je vais pas me prendre la tête, je pense vraiment que Steelix gagne les deux pokés. Vraiment. Mais j'ai quand même... Je pense qu'il faut que je me heal un poké, là, pour être safe de fou. Et je pense que ça va être Ronflex. Oh, mais j'ai plus que 3 super potions. Les baies sont autorisées. Ouais, mais je les garde. Je les mets pas sur les Pokémon en combat. Je les garde, en vrai. Parce que j'en ai des baies, là, mais je garde. Allez, c'est parti. Vais-je battre Lino? Normalement, je pense que ça se fait. Mais c'est la suite qui me fait peur. La suite me fait très peur. Parce que je pense que Steelix dégomme l'arène. Genre la petite Giro Ball. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Et d'avoir une potion. Ah, il peut y avoir un minerol, hein. Je vais Giro Ball. Hein. Allez, meurs pas, meurs pas, meurs pas. Ah, mais ça veut dire que l'autre, là, comment on le bat, l'autre, là? Comment on le bat, l'autre, là? Genre, lui, comment on le bat, lui? Après, Steelix, c'est pas le meilleur Pokémon qu'on va avoir pour la suite du jeu, donc on peut le laisser mourir, hein. Allez. Gyro. Oh, peut-être qu'il meurt pas. Oh, bordel. Non, je suis flinch! Putain. Donc soit Ziz, soit Ours for Speed. Je pense que c'est Ours for Speed. Hein. Genre bâillement. Ours for Speed bâillement. Ah, me flinche pas, putain. Quoi, crit? Oh non.
What the fuck? Oh putain. Ok, il refait morsure. Je pense qu'il remorsure. Ok. Et là, on se pas mettre la troc là. Allez, Absol, mon bébou. C'est ton moment. What the fuck, ça lui fait tellement pas de dégâts. Drop. Let's go. Let's go, vas-y Absol. Vas-y, catastrophe. Non. Oh, il dort encore, let's go. Let's go, catastrophe. Oh, putain de merde. Oh là là, la chatte. Oh là 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 là. On a gagné. La question maintenant, c'est comment on va gagner la meuf des Lucario. Comment on gagne la meuf des Lucario là? Après, il y a un monde où elle te soigne, la meuf des Lucario. Hein. Si la meuf des Lucario nous soigne, ça peut être vraiment cool après derrière. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter ici. Notre quête en XY, no Hill Challenge, no Center Pokémon, no Tutti Quanti, blabla, bloubli, blabla. S'arrête là. Je reprendrai peut-être ce week-end, on verra. En vrai, je suis quand même content parce qu'on a battu le deuxième champion. Là, je pense qu'il faut juste s'entraîner un peu. Et on n'est pas trop mal. Parce qu'en fait, là, ce qui nous pose problème, c'est les levels. Mais les levels, ça devrait aller si on arrive à enchaîner des combats. Le problème, c'est qu'enchaîner des combats, ça dépense des PP, etc. Donc, on verra, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Il faudra juste un peu s'entraîner. Et je pense que ça va le faire. On se retrouvera ce week-end pour la suite, les gars. Merci à tous d'avoir suivi. Merci de vous être abonnés, follow la chaîne, tout ça. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. Tu veux le lien pour les items cachés? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Envoie-moi ça sur Twitter ou sur Discord. Et je suis assez chaud. Passez une bonne soirée. Ne geekez pas trop sur Pokémon Pocket. Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve ce week-end. Bonne fin de semaine à vous. Des bisous. Et ciao tout le monde. Allez, bye.